Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En Luc chapitre 6, du 46e au 49e verset, nous lisons. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les mets en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Amen. Avançons devant le Seigneur. Service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Descende la flamme, dis-le,
accepte, accepte mon offrande. Bien-aimé, fils de Dieu, et plaisir-moi les ondes, la flamme du Seigneur. Amen. Amen. Mukale Yesu Kristo Nzambi wa William Branham. Mukale Yesu Kristo we wetu Nzambi uturu tuku kwila. Twasakajila ibamulo lweji umfumo wa bamfumo. Walumu tuendesha mutufikisha amabe watishila. Mutuku mwija kunyulukulu wajijeba mukale Yesu. Zambi wa mujulu te turibine kuitabuja bajijeba. Turifitabuja nse julo lwedu karinetu. Ukari mutula mwabeu wakushindika jijeba. Mudu mwambu bwa se mwabu dibabijani basatu badu kumwisha mujina jani. Memi ni munga chumu wabu. Zambi wa mujulu kari mwabeu. Munga chumu wetu. Adu weka mfumu kunu weka bumu banjidi. Kunu weka mukale Yesu. Bumu tangidi kadidu weka bwa kwenza mnyanda. Turututabuja mukale Yesu bwa seka adu muweka mwabeu. Bwa kusungila ababaji bashimina. Bwa kondowa ababaji basama. Bwa kubenesha mukale Yesu. Bwa kufila janda muna. Kumalu onsu adibana bebe vika alba kutu ajila. Fumu wabamfu mchulo lwetu. Turutishinga ni tutudieba. Dikole liweka munga chumwetu mfumu. Zambi wa mchulu walu munga chumwa di tutudieba. Kimu di mabedi ya mwangala. Kimu di malu yetu makola turinawu. Aheta solution zambi wa mchulu. Mukalenga Yesu. Nyuma webo watishila. Akokesha munga chumwetu. Katundishinga. Nyubukola kampa andabu wansha adiba. Burikabu ibu teletiri na jeba nasha mukalenga Yesu. Kadi bukola bwebo kujulu, bukola bwebo atishila, bukokesha munga chumwetu, kumbangiri nukundekelu mfumu wabamfumu. Nanga mchukonzi chakutele shidijebo, mkele na Yesu, wikana netu, ukwachisha mwina mudumweba, utukwachisha nitetu batele shumfumu wabamfumu. Turutulambule bitu bietu bionzu, mundu wabianza bieba, batisha ubu wase, uri netu kumbangiri nukundekelu, bionzu babuchimbo wadiabadina, mujinda mkele Yesu Kristo. Amen. Nous invitons les conducteurs de chant. Tout le monde est là, tout le monde est là. Tombisha Zambi, numéro 37, hymne cantique, numéro 96, alléluia, numéro 160, alléluia. Glorifions les seigneurs ensemble.
Que le Seigneur vous bénisse. On nous a dit hier que réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, et je le répète, réjouissez-vous. Le son n'est pas vraiment ouvert. Aujourd'hui, voilà, maintenant je sens que ça. Mais réglez bien. Aujourd'hui, c'est leur grand frère. C'est Gédéon Kasongo Mayamba. Gédéon Kasongo Mayamba. De Goshen Tabernacle. Mes fils de la maison. Il était diacre dans cette église. Dieu l'a appelé pour avoir un troupeau. Maintenant, c'est Gédéon Kasongo Mayamba. C'est nous là qu'il a eu ça ici. Nous l'invitons avec beaucoup d'acclamations. Nous invitons le pasteur Gédéon. Les meilleurs pour l'an 2024. Nous voulons aussi apprécier l'expression d'amour et de confiance de mon père et cher d'Israël. Qu'il me témoigne toutes les fois. Il me témoigne cela en m'associant à tous les événements de la famille, de la maison. Je parlais un jour avec un pasteur quelque part. Qui me considère comme son ancien. Alors quand je lui parlais de mon père, puisque moi je parle de mon père. Je parle de lui à quiconque veut m'entendre. Alors ce pasteur me disait, mais toi, nous te considérons comme notre père et tu ne te gênes pas de me parler de quelqu'un qui est aussi ton père. Je lui ai dit, êtes-vous marié? Il dit oui. Je lui ai dit, avez-vous des enfants? Il dit oui. Je lui ai dit, donc, dès que vous avez eu des enfants, votre père a cessé d'être votre père. Je lui ai dit, donc, mon père reste mon père. Amen. 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 J'ai un père dont je n'ai pas honte de témoigner. Je ne dis pas ça parce que je suis ici ou parce qu'il est derrière moi.
partout où j'ai l'occasion de parler de mon père, je parle de mon père. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, nous avons un petit sujet que nous avons intitulé « Les quatre requêtes de Joseph à l'échanson ». Malomba anayi a Yosefu ulomba mwabanyi wanvinyi umesa mfumo. Pour la petite histoire, Joseph était en prison avec des officiers de Pharaon. L'un était l'échanson, ça veut dire qui servait le vin au palais. Et l'autre, c'était le panetier qui servait le pain. Comme on va le lire, ils ont tous eu un songe intrigant. Et c'était le type de Christ à la croix avec des malfaiteurs. L'un fut libéré et l'autre fut pendu. Ce soir, je ne m'intéresse pas au panetier parce qu'il était condamné. Je m'intéresse à les chansons qui avaient été libérées. Parce que quelqu'un va sortir de la prison ce soir. Je suis très profondément convaincu que quelqu'un sort de la prison ce soir. Ça peut être la prison de la maladie, des soucis ou de n'importe quel problème qui vous empêchait d'avoir la joie. Ce soir, je parle à quelqu'un qui va quitter la prison. Que quelqu'un dise c'est moi. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Veuillez vous lever, nous prenons Genèse chapitre 40. Depuis le verset 5 jusqu'au verset 14. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai foi dans la prière de mon Père. Et même sa présence derrière moi, c'est déjà un grand soutien pour moi. Genèse 40, verset 5 à 14. Pendant une nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes, comme c'est le cas ce soir de quelqu'un. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit: Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent: nous avons eu un songe. Il n'y a personne pour nous l'expliquer. Écoutez, Joseph leur dit: n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Je veux que vous remarquiez qu'il y a un rapport entre Dieu et Joseph. C'est Dieu qui explique les songes. Mais racontez-moi votre songe.
Le chef des échansons raconta son songe à Joseph. Et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins et je les pressais dans la coupe de Pharaon. Et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les trois sarments sont trois jours. Encore trois jours. Et Pharaon relèvera ta tête. Et rétablira et te rétablira dans ta charge. Je crois que la tête de quelqu'un va être relevée ce soir. Quelqu'un va être rétabli ce soir. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon. Comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Maintenant, mes quatre requêtes sont ici au verset 14. La première, c'est Joseph qui dit à l'échanson. Comme tu vas être rétabli dans ta charge. Comme tu vas quitter la prison. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. C'est la première requête. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. La deuxième, et montre je te prie de la bonté à mon égard. La troisième, parle à ma faveur à Pharaon. Et la quatrième, fais-moi sortir de cette maison. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Frère Banam nous enseigne que de tout l'Ancien Testament, Joseph est le type le plus parfait de Christ. Le plus parfait, le plus complet. Il suffit seulement de parcourir l'histoire de Joseph pour voir dans sa vie beaucoup de ressemblances avec notre Seigneur Jésus Christ. Nous n'allons pas entrer là-dedans faute de, parce que ce n'est pas l'occasion. Chacune des requêtes prendrait des séances. Mais je vais les comprimer et les adapter à la circonstance. J'ai dit qu'on ne va pas s'intéresser aux panettiers. Parce que ce soir, je ne parle pas à quelqu'un qui était condamné. Je m'intéresse à les chansons qui vont sortir de la prison ce soir. Les quatre requêtes de Joseph à les chansons illustrent les quatre requêtes que Christ adresse à ses disciples actuels. Ainsi, pendant les quelques temps qui vont suivre, quand je parle de Christ, de Joseph, pensez à Christ. Et quand je parle de les chansons, pensez à toi, à vous-même. La première requête de Joseph à les chansons. Quand tu vas, quand tu seras heureux, souviens-toi de moi. Je vois quelqu'un être heureux ce soir.
quand tu vas quitter la prison, quand tu vas être béni, quand tu seras guéri, quand tu seras délivré, Christ dit, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Parce que très souvent, quand nous sommes en prison, la prison du chômage, la prison de la maladie, dans les chaînes du diable, la prison des soucis, nous recherchons Dieu dans la prière. Nous sommes assidus à l'église. Nous prions, nous gênons. Mais très souvent, quand nous avons obtenu de Dieu ce que nous cherchions, nous oublions Dieu. C'est pourquoi Christ, voyant ta joie devant toi ce soir, te voyant rétabli dans ta charge, rétabli dans ta santé, Christ dit, quand tu seras heureux, souviens-toi de moi. Est-ce que quelqu'un peut dire, je me souviendrai de toi? Amen. Amen. Quand tu seras guéri, quand tu auras ton bébé, quand tu auras ce travail, quand tu auras cette guérison là, quand tu seras délivré, souviens-toi de moi. Quand tu seras heureux, parce que quelqu'un va être heureux ce soir. Je suis tellement convaincu, je peux douter de ma présence ici, mais je ne doute pas que quelqu'un reçoive la délivrance ce soir. Mais quand tu seras heureux, Jésus-Christ te dit, souviens-toi de moi. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs, la version de Darby dit, quand tu seras dans ta prospérité. Amen. Amen. Quand tu seras guéri, quand tu seras béni, quand tu seras délivré, quand tu seras enceinte, souviens-toi d'où cela vient. Amen. Amen. Dans le message, écoutez sa voix. Du 5 octobre 58. Au point 54, quelque part, là, frère Bana me dit ceci. Il dit, Dieu a dit dans un endroit dans la Bible quelque chose dans ce sens. Il a dit, quand tu étais pauvre, que tu n'avais rien, je suis venu vers toi. Tu m'écoutais. Tu me servais. Quand tu étais pauvre et que tu n'avais rien, Dieu est venu vers toi. Tu écoutais Dieu. Tu me servais. Mais quand j'étais béni, j'étais donné plein de choses, alors tu as détourné la tête de moi. C'est pourquoi mon message de ce soir, comme je vois quelqu'un béni, je vois quelqu'un guéri, je vois quelqu'un délivré, je vois quelqu'un élevé, je vois celui qui est en faillite être restauré. Alors le Saint-Esprit te dit, quand tu seras heureux, souviens-toi de Jésus-Christ. Amen. Amen. Souviens-toi.
toi de lui. Ne te détourne pas de lui. Ne fais pas comme dit frère Banam. Il y a parfois les cochons qui est sous un pommier. Il mange les pommes. D'autres lui tombent sur la tête. Il foule d'autres au pied. Mais il ne prend jamais le temps de se relever pour voir d'où viennent les pommes. Quand tu auras cet enfant, relève la tête et souviens-toi d'où il vient. Quand tu seras guéri, relève la tête. Quand tu seras rétabli, quand tu seras restauré, souviens-toi de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est de lui que ces choses sont venues. La deuxième requête. Joseph dit à les chansons. Je te prie. Montre de la bonté à mon égard. Montre de la bonté à mon égard. Ces requêtes se suivent en ordre utile. Souviens-toi de lui et use de bonté envers lui. Quand la Bible dit que seul Dieu est bon. Maintenant que Christ te demande d'être bon envers lui, cela signifie que tu dois garder la communion avec Christ. Donc souviens-toi de moi quand tu seras heureux et garde la communion avec moi. Amen. Amen. Après que tu aies quitté la prison, garde la communion avec Dieu. Frère Benjamin, dans le message, Moïse le grand serviteur, au paragraphe 10, à propos de la communion, il dit: et dès que l'église perd la communion avec Dieu, les miracles s'arrêtent, les signes et les prodiges s'arrêtent, les réveils s'éteignent et Dieu se retire carrément. Lorsque vous perdez la communion, la chose à faire, c'est de garder. C'est ce que j'ai cherché à dire il y a quelque temps. Garder l'amour de Dieu dans votre cœur. Écoutez, gardez la communion avec lui et il ajoutera ces autres choses. Toi qui vas être béni ce soir, parce que je suis ici pour que quelqu'un soit béni. Amen. Amen. Souviens-toi de Jésus-Christ et garde la communion avec lui. Parce que si tu gardes la communion, il va ajouter. Il va ajouter. Il va ajouter. Les choses vont s'accumuler. Tu recevras même ce que tu n'as pas demandé. Parce que tu es en communion avec lui. Amen. Amen. Garde la communion avec lui. Et il ajoutera ces autres choses au fur et à mesure que nous mûrissons. La première requête, quand tu seras heureux, souviens-toi de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la deuxième, garde la communion avec lui. Garde ta relation avec lui. Que rien ne coupe ta communion avec Dieu. Aucune circonstance n'interrompe la communion avec Dieu. Parce que quand la communion est brisée, la
la joie s'arrête. Et quand vous perdez la joie, le cancer s'invite. Comme nous avons vu hier. Amen. Alors pour garder la joie, vous devez garder la communion avec Dieu. Vous devez garder votre relation avec lui. Que rien ne vous coupe de la communion avec Dieu. Que les gens vous rejettent. Que les gens vous critiquent. Que les gens disent n'importe quoi. Marchez avec Dieu. Gardez la communion avec lui. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Et la troisième requête. Parle à ma faveur à Pharaon. Amen. Amen. Parle à ma faveur. Et à la première occasion, dans Genèse 41, verset 12, verset 14, alors que Pharaon avait un songe troublant. Rappelez-vous, les chansons avaient eu un son que Joseph avait interprété. Maintenant qu'il a quitté la prison, Pharaon reçoit aussi un son. Le songe le trouble. Il n'y a personne pour interpréter. C'est alors que les chansons disent à Pharaon, il parle en faveur de Joseph. Il y avait en prison avec nous un jeune hébreu, esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes. Il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma chambre. Il parle à Pharaon. Et il fit pendre le chef de panetiers. Quand Pharaon a entendu ce témoignage en faveur de Joseph, témoignage donné par les chansons, en réponse à la troisième requête, la Bible dit, Pharaon fit appeler Joseph. Et on le fit sortir à hâte de la prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. J'essaie de dire à quelqu'un ce soir, quand tu sortiras de la prison, quand tu vas être guéri, quand tu vas être délivré, quand tu auras la réponse à ton songe, parle en faveur de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne gardez pas le silence. Vous savez, moi je ne crois pas dans la foi qui ne parle pas. L'apôtre Paul dit, parce que nous croyons, nous parlons. Amen. Parle à ma faveur à Pharaon. Témoigne de moi. Dis-lui comment le songe a été interprété. Témoigne de comment ta maladie a été guérie. Témoigne de comment la situation a été changée. Est-ce que vous le promettez de témoigner, de parler en faveur de Jésus-Christ? Comment la délivrance vous a-t-elle été accordée? Dans l'inspiration spirituelle, je vais lire juste une phrase au paragraphe 59. Frère Branham dit, est-ce que quelqu'un est avec moi?
J'ai dit, vous parlez de quelques échecs. Seulement des échecs. Vous parlez seulement de quelques échecs. Je me pose cette question. Pourquoi ne parlez-vous pas de certains succès si vous êtes chrétien? Vous ne parlez que d'un frère qui est tombé. Mais pourquoi vous ne parlez pas de celui qui n'est pas tombé? Même celui qui est tombé là, vous ne parlez de lui que quand il est tombé. Mais celui qui est tombé là, vous ne parlez de lui que quand il est tombé. Et quand il était debout, pourquoi vous n'avez pas parlé de lui? Vous savez, je me donne l'exemple de Pierre. Jésus vient marchant sur les eaux. Ils étaient là avec les autres collègues. Pierre seul a eu envie de marcher sur les eaux. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi marchant sur les eaux. Jésus a dit, viens. Et Pierre est sorti. Il a marché sur l'eau. Je vous pose une question. Qui d'autre a marché sur les eaux à part Pierre jusqu'à aujourd'hui? Mais il y en a qui ne parlent de Pierre que quand il a commencé à s'enfoncer. Moi mon Pierre a marché sur les eaux. Si votre Pierre c'est celui qui s'est enfoncé, le mien c'est celui qui a marché. Pierre a marché sur les eaux. Si votre verre est à moitié vide, le mien est à moitié plein. Moi je crois de tout mon cœur que si vous avez vaincu une petite chose, vous vaincrez tout le reste. Oui, mes frères et sœurs, vous vaincrez tout le reste. Et moi, je ne vais pas regarder à ceux qui vous tourmentent encore. Moi, je regarde à ceux que vous avez déjà vaincu. Pourquoi vous ne parlez que de quelques échecs? Et pourquoi vous ne parlez pas de certains succès? Il dit, si vous êtes chrétien, c'est que si vous ne parlez que des échecs, vous n'êtes pas un chrétien. Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi vous ne parlez que de quelques échecs? Moi, j'aime parler de mes temps forts. Je n'aime pas parler de la nuit où je n'avais pas eu la force de prier. Non. Je parle seulement de la nuit où j'avais prié jusqu'au matin. Je ne parle pas de la nuit où j'avais dormi sans prier. Pourquoi vous ne parlez que de quelques échecs? Et pourquoi vous ne parlez pas de certains succès? Puisqu'en parlant des échecs, vous ne parlez pas en faveur de Jésus-Christ. Il a dit, parle en ma faveur. Dis les bonnes choses que j'ai faites pour toi. Si tu as perdu l'argent aujourd'hui, tout le monde est informé de la perte. Mais quand tu avais gagné, est-ce que tu en avais parlé? Tu ne nous parles que quand tu as perdu. Mais quand tu as gagné, est-ce que
Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Parle à ma faveur. Je veux que ma vie parle en sa faveur. Est-ce que quand vous commettez adultère, votre vie parle en faveur de Jésus-Christ? Non, ce soir, parle à ma faveur. Que votre vie parle en sa faveur. Témoignez en sa faveur. Glorifiez son nom partout. Parle à ma faveur. Amen. Amen. Si quelqu'un ne vous aime pas, parlez de celui qui vous aime. Vous savez, moi je crois que parfois quand on veut être aimé par tout le monde, c'est trop d'orgueil. Même Jésus, tout le monde ne l'aime pas. Branham, tout le monde ne l'aime pas. Mais toi, tout le monde doit t'aimer. Toi, tu es qui? Si quelqu'un ne vous aime pas, ne le haïssez pas. Laissez-le tranquille. Parlez de celui qui vous aime. Si tout le monde ne vous aime pas, moi-même je vous aime. Contentez-vous de mon amour, ça vous suffit. Moi je vous aime. Même si tout le monde ne vous aime pas, contentez-vous de ce que moi je vous aime. Je vais aller plus loin. Même si moi-même je ne vous aime pas, Jésus-Christ vous aime. Contentez-vous de ça. Réjouissez-vous de ça. Réjouissez-vous de ça. Alléluia. Amen. Oui, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de ça. Amen. Amen. Jésus qui n'a fait que du bien. Jésus. Guérissant les malades, leur donnant à manger, ressuscitant leur mort. Tout le monde ne l'a pas aimé. Mais nous qui faillissons d'une manière ou d'une autre, nous voulons que tout le monde nous aime. Ça va se faire comment? Parlez en faveur de Jésus-Christ. Réjouissez-vous. Et je le répète. Réjouissez-vous encore. Parlez en sa faveur. La joie parle en faveur de Jésus-Christ. La tristesse ne parle pas en faveur de Jésus-Christ. Les inquiétudes ne parlent pas en faveur de Jésus-Christ. Si tu as mal aux pieds, glorifiez d'abord Dieu pour les yeux qui sont en bonne santé. C'est le pied qui est malade. Il y en a qui ne voient pas. Glorifiez Dieu pour la partie qui est en bonne santé. Écoutez, quand vous parlez des échecs, vous attirez les échecs. Et quand vous parlez des succès, vous attirez les succès. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Oh, mes frères et sœurs,
voyage. Moi, le jour où j'aurai 100 000 dollars, je commencerai à parler en termes de millions. J'ai un dixième de million. Vous avez 100 000, moi j'ai un dixième de million. Pour vous c'est 100 000, moi j'ai un demi million. Je commence à parler en termes de millions. Parce que comme j'aspire au million, je dois parler des millions. Je dois parler des millions. Oui, mes frères et sœurs, ce soir, même si les choses paraissent complètement sombres, parler en sa faveur, parler en faveur de Jésus-Christ sur la vallée, sur la colline, parler en sa faveur dans la vallée. Oui, mes frères et sœurs, si les choses tournent mal, ne maudissez pas Dieu. Parle en sa faveur. Vous savez, la femme syrophénicienne, Jésus lui a dit, le pain des enfants n'est pas donné aux petits chiens. Amen. Amen. Elle a parlé en faveur de Jésus. Elle a dit, mais maître, mais les petits chiens sous la table. Mange les miettes qui tombent. Jésus a dit, avec ça, il faut que je fasse quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé en sa faveur. C'est bon, quand vous dites des bonnes paroles, c'est le seul moyen de chasser les démons. Plus vous parlez en sa faveur, les démons vous quittent. Quand tu seras heureux, souviens-toi de moi. Amen. Et garde la communion avec moi. Et témoigne. Parle à ma faveur. Parle du Dieu qui t'a sauvé. Parle du Dieu qui t'a guéri. Parle du Dieu qui t'a rétabli. Même si ton affaire était déjà par terre, Joseph a dit, dans 3 jours, tu seras rétabli. Sois rétabli ce soir. Sois rétabli ce soir. Oui, mes frères et sœurs, c'est la vérité. Parle toujours en faveur de Jésus-Christ. Parlez du succès. Ne parlez pas des échecs. Vous savez, dans le désert, quand les serpents vous mordaient, si vous restiez là à contempler la plaie, quelle morsure, vous allez mourir certainement. Ne vous occupez pas de ça. Vous êtes déjà maudits. Qu'est-ce qu'on vous demande? Détournez-vous des symptômes. Et regardez vers le haut. Oui, mes frères et sœurs, même si votre magasin c'est vide, d'ailleurs vous êtes dans la bonne condition pour que Dieu se glorifie. Plus la situation devient pire, plus la gloire devient grande. Parle à ma faveur. Parlez toujours à sa faveur. Amen. Vous témoignez seulement quand vous avez avorté. Mais quand vous avez conçu. Est-ce que vous aviez fait du bruit pour ça?
Vous avez honte de dire que vous êtes enceinte, mais vous avez le courage de dire que vous avez avorté. Arrêtez ces choses-là. Parle en faveur de Jésus-Christ. Parle en sa faveur. Parle pour ta gloire. La dernière requête, je vais perdre le contrôle de la réunion. Et je ne sais pas comment les choses vont se passer. Je n'ai même pas besoin de la contrôler maintenant. Mais avant d'y arriver, écoutez la dernière situation sur la troisième requête. Frère Bana me dit, dans la troisième requête là, mais nous voudrions voir Jésus. Le 12 novembre 63. Au point 292. Si vous ne l'avez jamais accepté comme votre sauveur, je vous prie tout simplement de vous lever, vous savez. Et écoutez. Il témoignera en votre faveur si vous témoignez en sa faveur. Est-ce que nous sommes ensemble? Si vous parlez en faveur de Jésus-Christ, lui aussi parlera en votre faveur. Alors parlez en sa faveur. Vivez en sa faveur. Témoignez en sa faveur. Amen. 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 Maintenant la quatrième requête, la dernière. Joseph n'y a les chansons. Joseph n'y a pas mis la J'ai opéré un miracle pour toi ici. Ici en prison. J'ai interprété ton songe. Tu vas sortir de la prison. Maintenant moi je vais rester en prison. Il dit fais-moi sortir. De cette maison. Ne le laissez pas en prison. Ce qu'il avait fait là, il peut le faire encore. Ne le laissez pas dans la prison de l'histoire. Oh mes frères et sœurs, ne le laissez pas dans la prison de l'histoire. Appelez-le. S'il avait fait, il peut le faire encore. Souviens-toi de moi, garde la communion, parle à ma faveur et fais-moi sortir de cette maison. Aujourd'hui, les gens ont l'audace de dire, ils se demandent ce qui est arrivé au Dieu de la Bible. Les gens se demandent.
ne finit pas la phrase. Maintenant, il vous conditionne à ce qu'il à la conclusion. Quand Moïse l'a invoqué à la mer Rouge, le Dieu de l'histoire s'est levé. Il a fait une voix. Alléluia. Amen. Ça c'était Moïse. Josué. Joshua. Quand Josué a invoqué le Dieu de l'histoire. Quand il a invoqué le Dieu de Moïse au Jourdain. Le Dieu de Moïse est devenu le Dieu de Josué. Il s'est levé. Il a frayé une voix. Quand Daniel l'a invoqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a frayé une voix. Dans la fosse au lion. Quand les trois hébreux l'ont invoqué. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de ces témoignages. Quand les trois hébreux l'ont invoqué dans la fournaise d'Adam, il a frayé une voix. Maintenant, dites à votre voisin, c'est maintenant la chose. Je dis que je vais perdre le contrôle de la réunion. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne veux même pas le savoir. Il est toujours le même Dieu de l'histoire. Écoutez. Oh!
Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton onction ce soir qui est toujours parfait en toi Seigneur. Aujourd'hui c'est le troisième jour. Merci, merci, merci. Merci pour la guérison. Merci pour les baptêmes du Saint-Esprit. Merci pour la sortie de la prison. Mais tu nous as rappelé, Seigneur, que nous devons toujours penser à toi. Merci, Seigneur. Merci pour ta glorieuse présence. Merci pour ton onction sur ton Seigneur. Merci pour ce projet, Père. Que ton nom soit rendu par demain. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Regagnez vos places. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Pendant qu'on va commencer à récolter les dîmes et les offrandes, tonnerre, montez, c'est ton tour. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Quand tonnerre va commencer à chanter, mais restez seulement sur place. Gardez votre onction. Je prierai en esprit et je prierai aussi dans l'intelligence pour qu'on fasse circuler les corbeilles. Aujourd'hui, c'est tonnerre qui nous conduit dans la partie de récolte des dîmes et des offrandes. Ils vont rester là dès qu'on termine la dîme et les offrandes. Alors, quand on a terminé les communiqués par le président de la réunion, alors il pourra encore continuer. Rappelez-vous depuis hier. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Aujourd'hui, sortez de la prison. Vous êtes sorti de la prison. Vous êtes sorti de la prison. Soyez heureux. Souviens-toi de lui. Le bon accompagnement. Thank you.
Nous passons rapidement à ces services et puis tonnerre va commencer à tonner. Tout de suite, nous vous présentons les serviteurs de Dieu qui sont au milieu de nous. Excusez-nous, il y a des pasteurs qui sont venus avec leurs administrateurs et leurs diacres. Mais comme le nombre de pasteurs présents est... Bon, il y a beaucoup de pasteurs. Il n'y a que nous allons présenter. Nous appelons le nom du pasteur, il se tient debout et nous l'accueillons. Nous avons le pasteur David Ilunga du tabernacle de Kabimba. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Tula Mikobi de Salem Tabernacle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons le pasteur Lambert Mukendi de Bethlehem Tabernacle de Benangoy. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur André Ngeleka du roi de paix Tabernacle de Lubumbashi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons le pasteur Benjamin Tumba du Tabernacle de la Résurrection. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Mike Mukendi du Tabernacle Colombe Blanche. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Daniel Tula de... Excusez-moi. Failusa. Nous l'avons déjà présenté. Pasteur Jean-Pierre Kabongo du Tabernacle de la Présence Présente. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Joseph Josué Vincent Mutombo de l'Is Tabernacle de l'Is de la Vallée Tabernacle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous passons au communiqué du diaconat. Les diacres, si après, appellent leur juridiction à les rencontrer après culte.
Nous vous passons d'abord ce communiqué. Le président de l'équipe de décoration demande à son équipe de le rencontrer après culte à leur endroit. Les Ekodim demandent aux parents d'envoyer les enfants au centre de l'Ekodim de leur juridiction ce dimanche. Les diacres qui appellent leur juridiction sont ceux qui suivent. Pierre Kalende Dibwe, Jean Kalonji, Sélé et Féli. Le diacre Liveil appelle tous les jeunes frères après culte. Je crois qu'ils sont de sa juridiction. Le diacre Sélé appelle la juridiction pour le balayage juste après ce culte. Dans la nécrologie, juridiction Jean Camou, le frère Patrick a perdu un fils à Kinshasa. Il observe le deuil chez lui, près du frère Kadima Munanga. Juridiction Liveil. Excusez-moi, le deuil de tout à l'heure, il est de la juridiction du diacre Jean Kalonji. Le frère Patrick qui a perdu son fils à Kinshasa. Juridiction Liveil. La sœur Béatrice Chimuta a perdu sa mère à Kinshasa. Le deuil se tient chez ses parents. Nous invitons d'abord notre pasteur. Nous rappelons les programmes de demain. Les réunions de réveil se sont clôturées aujourd'hui merveilleusement. C'est demain que nous serons ici pour la veillée en vue de la Sainte-Seine. Nous vous rappelons ceci, ceux qui se sont fait enregistrer pour les préliminaires. Les programmes comme ceci, dès 17h à 18h50, c'est les cantiques spéciaux. Vous qui vous êtes enregistrés, vous devez être là de 17h à 18h. Donc les frères et sœurs peuvent commencer déjà à occuper la salle. 18h50 à 19h, c'est la chorale Peniel. Ça, c'est la partie des préliminaires. Et le début du culte proprement dit, les préliminaires seront présidés par le frère Fabrice Mutombo. Et le culte normal, c'est le président Thomas Chinyama toujours. Dès 19h, c'est le culte qui commence. 19h, 19h15. Lecture de la parole, puis prière d'ensemble. 19h15 à 19h40. Chorale Salem, soyez déjà prête. 19h40 à 20h40. Première prédication. De 20h40 à 20h45.
temps de prière après prédication. 20h45 à 21h10. Cantique d'ensemble. 21h10 à 22h10. Deuxième prédication. 22h10 à 22h15. Pendant qu'on va commencer à récolter le dîme des offrandes, c'est la fanfare qui va animer, qui seront placés là-bas dans ce balcon-là, comme en bas ici on va installer les éléments. Dès qu'on termine la récolte, fanfare arrête. Alors la cabine envoie quand il y a la musique douce. Pendant que les diacres vont commencer à sortir pour installer les éléments de la scène sur cette musique douce là. Quand on termine, à partir de la prise de la Sainte Seine, on ne voit plus le temps. Pendant que nous prenons la Sainte Seine, ce sera animé par la voix du tabernacle. Après, ça sera instruction et lavage des pieds. Alors, la fanfare va ouvrir les déplacements pour le lavage des pieds avec trois morceaux là où ils seront au balcon. Après les trois morceaux de la fanfare, ils vont se reposer. Il y en a Rouge-Gorge, Myriam, Tonnerre. Chaque classe, chaque chorale, deux cantiques à tour de rôle, deux cantiques à tour jusqu'à ce qu'on va terminer le lavage des pieds. Quand on termine tous les services, ça sera le repos. Parce que le samedi, les gens iront travailler. Comme nous l'avons dit, on va éteindre partout que les gens se reposent, qu'ils aient de la vigueur pour aller au travail. Voilà le programme de demain. Nous répétons parce que quelquefois on n'arrive pas à comprendre. Demain, il n'y aura plus de réunion à 14h à 16h comme nous avons fait ici. Demain, c'est à partir de 17h que peut-être 16h45, les portes s'ouvrent, vous occupez des places et les services commencent déjà les préliminaires. On s'est bien compris. Inclinons nos têtes. Nous te rendons grâce, Père Céleste, pour nous avoir conduits jusqu'à cette heure. Et maintenant que nous voulons sortir, raccompagne-nous dans la paix, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tonnerre, Tiaï. Yes, we're gonna make it.
Thank you.
Merci.